En même temps, quand je pouvais bosser, il y avait de quoi faire à l'usine, question machine. Oui, j'avoue que oui. Dans ton boulot, toi, il y a de quoi faire. Si vraiment t'as besoin, tu peux y aller, quoi. Oh. Ah merde. Elle est où la pierre? Là. Voilà. Alors, du coup, je vous remonte une dernière fois le. Hop. Attendez, je vais vous faire un petit petite mise au point. Juste une mise au point. Donc voilà les petites alliances qui sont terminées. Donc il y a la pierre pour monsieur qui est à l'intérieur là. Mais sinon, elles sont finies. C'est chouette, hein? Bon, moi, ça me fait toujours penser à un napolitain, hein, il n'y a pas, mais. Je suis toujours sur le. Mais bon, ça, c'est la bouffe, hein, vous savez, moi et la bouffe. Mais elles sont terminées. Trop belle! Oui! Je suis surprise moi-même, parce qu'au début, j'étais pas convaincue par les couleurs, le mélange de la roche rouge, du bois qui était clair, et au final, quand j'ai résiné, le bois s'est un peu foncé, et du bleu, du saphir. Au début, j'étais vraiment pas convaincue par les couleurs, et en fait, ça rend trop bien. Donc, les clients ont eu raison du coup de pousser pour ces couleurs-là parce que je trouve ça très chouette. C'est pas commun du tout. Donc, voilà, ça y est, elles sont finies. Bye bye, les petites alliances, je vous vois pour la dernière fois. Parce que maintenant, vous allez aller au doigt de vos propriétaires. On va faire le petit packaging. Ah, je les ai pas pesés, bordel! Ah. Attendez, il faut que je les renlève, il faut que je les pèse. Quel boulet! Salut, Aliori! Je suis pas du genre. Tout en un, je préfère chaque machine à sa place et chaque place à chaque machine. Je suis tellement d'accord. C'est vrai que c'est super cool quand t'as chaque petite machine. C'est comme en cuisine. Moi, je suis pas une grande fan, même si c'est très pratique, du Thermomix. Parce que le Thermomix, ça fait tout. Et moi, j'aime bien avoir chaque petite machine. Salut Canichette, comment tu vas? Les boîtes, tu les as faites ou tu les as achetées comme ça? Non, je les ai achetées comme ça. Mais j'en ai vu sur Pinterest qui étaient juste trop mignonnes. Et je me dis putain, mais je pourrais faire, c'est tout con, c'est genre des tronçons. Alors là, c'est brut de chez brut par contre. C'est genre des petits tronçons d'arbres grands comme ça, des petites boîtes, qui sont creusés. Donc comme s'il y avait un gros forêt qui était venu creuser, pas jusqu'au fond du coup, qui laisse une épaisseur au fond. Et tu as juste une tranche par-dessus du bois qui est. Il doit y avoir pas un pas de vis, mais un roulement là-dedans. Et tu peux ouvrir et fermer. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Et ça a l'air tout con à faire. Jolie! Trop belle, merci beaucoup! Et Patatouf, merci beaucoup pour le follow! Bienvenue à toi dans l'atelier de bijouterie et de peinture! N'hésite pas à poser des questions si tu en as et à aller voir.